mec est rendu quoi? Ça fait longtemps, on te voit plus dans la cité, qu'est-ce que tu deviens depuis? Je passe mon temps dans la chambre en train de parier sur le site internet, man. C'est mal dingue, franchement. Ça paie ou pas? Roland Garros, ça m'a vidé. Maintenant, c'est Wimbledon, man. Mais lui, pareil, depuis, il a mis des cheveux blancs depuis. C'est des problèmes, c'est des problèmes. C'est terrible. Donc là, rien. Tu as tout perdu encore, même là-bas. Tout perdu. Oh, les gars, c'est qui c'est? Quoi, le bleu? C'est les filles de la cité, mon gars. Ah bon, moi, je les ai jamais vues, en fait. Mais tu es nouveau. Tu veux voir déjà toutes les filles comme ça, alors que tu es nouveau. Toi, tu veux toujours aller plus vite que la musique, hein? Elles sont pas mal, hein? Ah, ça? C'est laquelle que tu vois? Celle qui est en rose. Ouais. D'accord, c'est des places, je vais. Les gars, les filles, attendez un peu. Comment vous allez? Comment ça va? Oui. Bonjour. Oui. Ça, c'est ta copine? Ouais. Tu ne connais pas? Non, je ne connais pas. Ça doit être. On est là pour se connaître. On vit tous à la cité. On ne se connaît pas forcément tous au début, mais à la fin, on fait connaissance. Qui te dit que j'ai envie de rester? J'ai pas envie de rester. Non, mais j'ai un truc important à te dire. Je te suis. Bon, on se voit alors. D'accord, à tout à l'heure. Petit Max. Bon, moi, je parle d'abord avec un chanteur. Sinon, ça va? Je t'ai jamais vu ça, t'as petit souci. Toi aussi, à ton avis, j'habite ici, je suis étudiante. Tu sais pas, moi, enfin, je veux pas tout savoir, je devine pas. Parce que je suis jamais vue ici, en fait, c'est la première fois. Bah, parce que je suis nouvelle, tu m'as jamais vue. Ah, okay. Mais si tu veux, on se donne rendez-vous une autre fois, vu que là, je dois rechercher ma copine. Bah, je te donne mon numéro si tu veux. Bah, je vais te laisser. Okay. Bon, les gars, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Tout à l'heure je vais l'appeler, je vais envoyer un message et puis après on va commencer. Quoi. Bon les gars, moi je vais avancer un peu. Je vais aller. Bon, c'est bon. Bon, le bleu. Déjà tu es en bleu. Ensuite quand ça tu es bleu. À l'horizon, toujours d'eau, 30 jours d'eau, 30 jours d'eau, 30 jours d'eau, 3 queues. Qui remet ça de vide? À l'horizon, toujours d'eau, 3 queues en civil. Négro, j'ai caché mon putain dans 2 ou 3 villes. J'emmène 2 ou 3 putains dans 2 ou 3 villes. Je ne me présente pas, tu sais qui je suis. Je ne plaisante pas, tu sais qui me suis. J'ai lu mon avenir dans un bol de riz. B2O BA9 de U. Si tu cherches un mec mortel, je suis sur Yahoo. Y'a ceux qui sucent des bites, négro et y'a nous. Mon rap n'est pas trop dur, c'est toi qui es mou. La meilleure cocaïne vient de chez nous. Rappelle-toi les potes que j'ai percé des. Zéro après la virgule, gros véhicule, grosse brasse d'armée, véhicule. Putain, c'est terrible là, qu'est-ce que je peux bien vendre en ce moment pour sortir de cette crise? Ce vieux téléphone là, je n'ose même plus. J'ai le PC là.
s'embauche à l'arrière de l'Lamborghini. J'y crois quand les autres pensent que tout est fini. Une balle dans mon bain de piment, dans mes fettuccini. Calibré, j'ai pas loin. La barre de question. Bon, ça peut partir à 30 euros. 300 euros. Bon, mon bon vieux Mac, je le conserve. Il me sera toujours utile. Il faut que je pense à faire des affiches pour tout ça. Ça me fait déjà combien? Ça, je vais en 50 euros, 30 euros, 470. Sac et pactole, ça. Mon président est black, ma carte bleue est black. Pourquoi tu jacques? Si tu kiffes rap, t'écoutes rap. Écris un plan et black. Comme ça, une bouteille de Jack. Trop de bière, ça mais pas. Je capte mal, call me back. J'arriverai en baissant les yeux. Je vais les gifler en partant. Je veux peser comme de part. Tu as gagné dès le premier quart. Tant que j'ai vu sur la mer, tu plains du sang. Tant que j'entends, viens tu glisses avec l'argent. Je pense qu'à faire de l'argent. Je pense qu'à faire de l'argent. J'ai mon feu sous mes trailleurs, j'ai pas besoin de ton aide. Genre, je pense qu'à faire de l'argent, pas qu'elle silicone. Sardam Hotel, pas qu'elle silicone. Sardam Hotel, j'ai mon feu sous mes trailleurs, j'ai comme de part. J'ai gagné des bonnes cartons, j'ai plus dans la mer, plein de sang. J'ai faire du bis avec moi, oh, j'ai pas le temps, pas le temps. Je pense qu'à faire de l'argent, je pense qu'à faire de l'argent. Michael, là. Tu te rappelles ton ex là? Ouais. Il m'a couru après, il m'a laissé tomber, mais quel con. Ah ouais. Non, t'avais trop bien fait de le quitter, c'était un connard. Je pensais que tu voulais quelque chose avec moi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce soir, mais vas-y, arrête, il m'arrête. J'avais trop bien en plus, vas-y. Attends, t'as vu, ils ont appelé nos stress, et toi, en plus, on a terminé nos examens, on est en stage. Ouais, mais faudrait en parler à Jean, hein. Ouais. Elle qui est partie et tout là, ouais. Travailler, ouais. On va lui en parler. Ouais, on va lui en parler. Je suis sûre que ça va lui plaire, elle va venir. Max, oui, ton grand Fredo là qui est dans les problèmes. Ouais, mais qu'est-ce que je veux que je fasse? Je sais pas. Mais attends, d'abord je t'explique mes problèmes avant de dire qu'est-ce que tu peux faire. Là j'ai besoin d'argent, là. Je suis à découvert, franchement je peux plus vivre comme ça. Je
pas envie de faire plus tard, mais bah, je suis trop fauché en ce moment, mais, je suis trop fauché. Comment tu es fauché? Je t'ai vu tout à l'heure, tu étais en train de faire la fête. Même, comme si, je te promets que j'ai rien. Je te promets que j'ai rien, tu vois, je suis rien, je te promets. Je suis trop bad, je te promets, j'ai rien. Pas me dire que t'es fauché en ce moment. Vas-y, regarde-moi, j'ai rien. Mais comment, regarde-toi, tu te bats avec des billets sur toi. Vas-y, je te dis, regarde-moi. J'ai rien, je suis fauché, j'ai rien, je te promets, j'ai rien. Fredo, si j'avais de l'argent, je t'aurais dit, t'es mon grand, je t'aurais jamais trié, je t'aurais dit, viens avec moi, tu vois. Là, je te jure que j'ai rien, je te promets, j'ai rien sur moi, je te jure. Mon grand, j'ai rien, je te jure que j'ai rien. J'ai la vie de ma mère, j'ai rien. Le bleu, tu viens d'arriver. Je te jure, je te promets, j'ai la vie de ma mère, j'ai rien. Ta mère, c'est pas Mario, comment tu dis sur la vie de ta mère? Je suis fauché. Là, tu vois, dans mon compte, j'ai moins 50 euros. Comment ça, tu me dis que t'as rien avec de nouvelles pompes? C'est des vieilles pompes, ça, mon frère. Je te jure, c'est des vieilles pompes. Tu me prends pour un con. T'es mon grand, je te jure. Tu me prends pour un con, là. Je te jure, je suis fauché. Si tu veux, on va appeler John tout à l'heure, il va t'expliquer. J'ai rien. C'est pas ton gestionnaire que je sache. C'est très bien que toi et moi, je suis réglo avec toi. Je vois pas pourquoi je t'aurais mis en chien. Mais tes pompes, tu les as eues. Les pompes, je les ai achetées. Je vais te dire, t'es derrière. Je les ai achetées il y a longtemps. Ne ris pas quand je te parle. Vas-y, excuse-moi si je te blesse pas, excuse-moi. Vas-y, mon gars, il est là. Mais qu'est-ce qu'il pourra me dire, lui? C'est pas ton gestionnaire que je sache. Mais je peux l'avoir, c'est mon gars sûr. Pas un problème. Je sais pas. Depuis là, je te vois, tu parles avec mon grand. Tu vois, moi, je sais pas, quoi. Franchement, c'est pas le truc là. Explique-moi d'abord. Il pense que je suis en train de jouer au crevard. Et si mon frangin te dit qu'il a rien, il a rien. Mais moi, je dors sur le frangin, je suis là depuis une semaine, on mange rien du tout. On mange rien. Et te jure, là vraiment, on va même manger chez la belle sœur à côté et tout, les trucs comme ça et tout. Bon, Max, on se voit. Tu dis rien. Non, même, voilà, lui, le roi là, c'est pas mal. Bien sûr, quand je vais en Belgique, tu crois quoi? Tu crois que j'aurais dit, je l'aurais jeté, que j'ai 1000 euros dans le compte? T'es fou quoi? On a dit qu'on ne donnait rien. Vas-y, tu crois quoi? Tu crois que j'aurais dit que j'ai 1000 euros dans le compte? 1000 euros, on va en Belgique. Vas-y, ce gars, je le connais même pas. Tu lui donnes rien. C'est fou quoi? Je sais pas, tu lui dois rien. Genre, t'as dit qu'on va bouger en Belgique, T'inquiète. On va faire la fête. T'inquiète pas, mon gars. Non, mais. Oh, moi je m'inquiète pas, mais je veux dire. Parce que tu me fais confiance. Bah, bien sûr, mais si lui veut faire un petit patata, moi je le montre, moi. Vas-y, c'est un bouffon. Moi je le montre, moi. Zappe sur lui, c'est un bouffon. Ah, moi je le montre direct. Je te jure, j'ai genre. Je le sors, le savon. En Belgique, c'est bon, la vie elle est pas. Bien sûr, tu me fais confiance, vas-y. Bien sûr. L'argent, ton pognon, on est jeune, tu vois. C'est ce qui est prévu. Mais c'est ce qui est prévu, quand j'ai. Tu fais confiance ou pas? Bien sûr que je fais confiance. Pourquoi je suis là? Mais pourquoi je suis là donc? Alors, mais arrête de poser de questions. Ok, pas de problème, quand j'ai. Pas de problème, pas de problème. Genre un micro, un ordinateur portable, une télé grand plat, ça vous dit? L'ordi portable, 300 euros. Vous pensez pas que ça est un peu trop cher, ça? Mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas tu te casses, mais... T'es pas poli, toi! Mais casse-toi, là! Pablo, ouais. C'est chaud en ce moment. Comment ça? J'ai toujours le problème des 1000 euros. Man, fais un braquage, on est en cité, mec. Fais un braquage. Ouais, j'ai pensé à ça. Il y a plein de petits nouveaux, là. Fais un braquage. J'ai déjà vu ma victime. Ah bon? Ouais, c'est qui ça? Le petit nouveau là, Max. Le petit Max là? Le Gidaf. Oh, le petit. Il a de la thune. Ah ouais, il pète la thune en plus, il vient d'arriver lui. Et il me met dans le bateau quand je demande 1000 euros. Oh là, il faut un petit braquage là. Donc tu me suis alors? Ouais, c'est bon. Ah ouais, mais je me rappelle, j'avais vu le petit. Il traînait dans c'est, la. C'est pas un problème. Le petit nouveau là, il se prend pour qui? C'est pas un problème, on va montrer à ce petit, c'est qui les grands ici? Mais c'est nous les grands! Voilà. Ça fait plus de 5 ans qu'on est ici, mais. Son cas est déjà classé, mais par contre, il est aussi au 4ème là, il y a une fille là. Ah, la white là! Tu la vois ou pas? Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est là, elle pète du pognon. Y a pas de souci. Elle pète du pognon, ouais. En tout cas, Fredo, le somme des anciens, c'est dans cette cité, tu vois. D'accord. Ça fait 5 ans que t'es là, moi ça fait 8 ans que je suis là. Serpent, c'est ok pour toi? Oh, ouais, Serpent, il est toujours dispo. D'accord. C'est que clair, c'est qu'on se tape un rendez-vous, on planifie la chose, et puis on commet un braquage, mec. Bon, Pablo, je te tiens au courant. On se tient au courant, mec.
bouges pas, tu bouges pas, sinon te fais la roue tout de suite. Allez mec, libère, tu bouges pas, frère. Bonjour les amis, bonjour. Je me présente, je m'appelle Emery Dupont, je suis étudiant en première année à Panthéon. Donc je me suis permis de nous réunir aujourd'hui parce que j'ai été victime d'un cambriolage, une question que vous connaissez déjà, qui court la cité. Et je voudrais, lors de cette assemblée, que l'on puisse prendre une décision face à cette question. Et si j'ai quelque chose à vous proposer, c'est qu'on signe une pétition pour que les représentants de la cité universitaire puissent nous régler ce problème-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais proposer une autre alternative que celle de tout à l'heure qui nous proposait de faire une pétition. Moi, je dirais mieux que je souhaite qu'on puisse passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire faire une grande manifestation où on peut faire des mouvements, on peut bloquer la cité pour un bon bout de temps. Bah, très bien, je profite de l'intervention de notre camarade pour dire qu'en réalité, je m'appelle Fabien, je suis représentant des résidents auprès de la cité. Et justement, on a été informé des problèmes de cambriolage, donc ce n'est pas immédiat, ce n'est pas uniquement cette année. Et ne vous inquiétez pas, il y a des mesures qui sont prises. On va parler encore avec des responsables dans la semaine pour trouver des solutions. Est-ce que le représentant de la cité pense que l'avis du camarade est bon, à la mesure où vous dites déjà que vous êtes en train de discuter avec la direction? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Non, mais justement, parce que cette solution-là est un peu extrême. Pour le moment, c'est encore la discussion. Moi, je vous propose qu'on discute d'abord avec les responsables pour commencer à mettre sur pied des actions aussi radicales. Alors vous dites que vous allez faire des trucs pour nous pour le cambriolage, mais au début vous étiez où? On ne vous a pas vu au début, c'est juste maintenant que vous vous manifestez pour nous dire que vous êtes là. Je me présente, moi c'est Kylé, j'ai été cambriolé moi aussi, mais depuis rien n'a été fait, il n'y a pas eu d'action, il n'y a rien eu quoi. Donc là, ça ne peut plus continuer. Il faudrait qu'il y ait des actions, je ne sais pas, que la police fasse son boulot, qu'il y ait des vigiles, tout ça, quoi. L'administration doit en effet prendre des mesures pour pouvoir remédier à la situation dans les temps, parce que voilà, les étudiants se plaignent un peu de beaucoup. Voilà. Oui, c'est sûr. Je propose qu'on puisse s'appuyer sur les élus locaux, car ce sont tous les représentants des résidents de la cité. Il est judicieux qu'on passe par eux, c'est la voie légale et c'est une bonne démarche pour nous les étudiants qui sont dans la résidence. La police est sur le terrain, donc gardez toujours confiance à vos élus. Mais moi j'ai jamais vu la police. Si rien n'est fait, d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, si rien n'est fait, on va aller à la vitesse supérieure, vous voulez ou non. Lui a été cambriolé. Dans les normes, moi on devrait m'interroger pour savoir au moins si j'ai identifié la personne. J'ai pas vu de policier, vous me dites que la police est là, mais là, la police est où? Mais s'ils t'ont pas vu toi, peut-être qu'ils ont vu des trucs à mal, que tu s'est cambriolé. Ils t'ont vu toi? Moi, la seule fois que j'ai vu la police, c'était pour me mettre des contraventions quand j'ai garé ma voiture. Donc voilà quoi. Je prends du code. J'appuie l'ordinateur. L'ordi est où là?
comment ça va? Ça va, Claire? Bien, bien. Alors, va, l'installation, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Ça va prendre quoi? Je t'offre quelque chose à boire, de l'eau ou du sirop? Ouais, vas-y, vas-y, pense pas un peu, s'il te plaît. De l'eau? Ok. Alors, l'installation à la cité? Je t'ai juré que je me suis fait cambrioler, je t'ai dit. Oh, putain, t'as vraiment pas de chance. Les gars, ils sont venus, ils étaient à 3, ils ont pris mon PC. La galère, je te dis, là, je sais même pas comment je vais faire pour les cours. Le pire, c'est que mes cours, ils étaient dans le temps de PC. T'as essayé de côtoyer d'autres étudiants de la cité? Ouais, ouais, mais je sais pas. Là, j'ai vu au niveau de l'administration, je sais pas, ils ont dit que normalement, vu que ça fait depuis un moment que en fait, les cambrioleurs, ils sévissent ici. Et donc, ils sont en train de faire tout pour essayer de les attraper, mais on sait pas, quoi. T'arrives à te faire au style de vie? C'est la galère, je te promets, c'est la galère. Tu sais, ça commence toujours comme ça, enfin au début. C'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Désespère pas. On a tous une guerre, on continuera toujours en avoir. Mais Claire, toi tu dis ça, c'est trop facile. Là, je sais même pas comment je vais faire. J'ai dit les partiels, tous mes cours ils sont dedans, je sais pas comment je sais, c'est la galère. C'est toujours pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Tiens. Vas-y, merci. Et donc, tu penses faire quoi? Tu penses. Déménager, rester ici. Moi, de toute façon, là, j'ai l'intention de retourner chez moi. Quand je retourne en Afrique du Sud, je peux pas rester ici, c'est pas possible. C'est infernal, là, je peux plus, j'en peux plus, là, j'en ai marre. Tu sais, moi aussi, j'étais comme toi. J'ai commencé comme ça, je suis arrivée sur Paris, j'ai galéré à trouver un logement, puis finalement, j'ai cherché, j'ai lutté, j'ai eu du mal financièrement à m'en sortir, mais. Tu y arriveras. Si vraiment tu le veux, tu y arriveras. Ouais, mais c'est trop facile de dire ça. En plus, ça fait pas longtemps que je suis ici, quoi, tu vois. Et là, c'est la catastrophe. Voilà, quoi. J'ai pas les mots. T'exprimes ce que je ressens en ce moment. Tu vois avec qui tu traînes? Cette bande-là, c'est gigolo, c'est qui? En plus, c'est la première fois. D'habitude, je suis avec mes parents, tout ça. Et là, je suis tout seul, tu vois. Je suis un peu perdu, quoi. Donc. C'est pas facile pour moi encore, je t'ai promis. Et bien justement, tes parents, ils en penseraient quoi de tout ça? Ouais. Ça va, ça ira. Courage. Merci, merci. C'est pour ça les amis, non? Thank you.
C'est ça, c'est la suite. Ah, vas-y, parle. Tu la fermes, tu bouges pas. Tu bouges pas. Sinon, on te fait la route tout de suite. Allez, mec, libère. Tu bouges pas, frère. Bien, je me change. Hein? Bah, lieu. Bien, je me change. Ouais. Hein? Je me change. Non, ça va, laisse. J'étais en bas, j'ai fait ça pour que voilà, tiens, j'ai un mover. Go, vas-y. Ok, attends, bloc. Regarde, ce Fredo là, c'est qui? Je dois tout savoir. Arrête ça. C'est pour ça les amis, les vrais amis. Bon. Ouais, ça va là. Quand c'est quand tu veux, tu me dis. Moi je suis là, j'ai lancé. Et c'est parti. Oh, j'ai vu ton pied apparaître. J'ai dit, mais lui là, il a combien de mètres? Non, je suis en train de regarder. C'est bon. Pas tout, Marc, surveille d'abord. Pousse pas, ok. Ah les gars, donc c'est comme ça que ça se passe dans la cité, machin, vous arrêtez les filles comme ça. C'est le gros Fredo, il gère. Bah c'est lui le maire. Non, c'est pas question du maire. Si tu veux un truc, tu me commandes, mais il n'y a pas de maire. C'est bien. Ah, c'est bien. Ah, ça fait combien de temps que tu es en France? Ah, ça fait 200. Ah, doucement s'il te plaît, Carlos. Je peux pas courir trop vite. Comment est-ce que tu m'appelles? Carlos. C'est Carlos. L'ordi portable, 300 euros. Ah, c'est ça la vie, hein. Si vous n'avez pas de thunes, vous vous cassez, madame. Je veux pas dire que c'est trop cher. Quand tu veux. Genre un micro, un ordinateur portable, une télé grand place, ça vous dit. L'ordi portable à 300 euros. Vous pensez pas que ça est un peu trop cher, ça? Mais qu'est-ce que tu crois? Si t'as pas étudié, tu te casses. T'es pas pour l'écran. Mais casse-toi, merde. Qui te casse? Ok. Maman, je t'aime. Voilà. C'est bon. Attends, le feu là-bas, c'est lui, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ici, le commandant Thibaut, s'il vous plaît. Je peux avoir le sergent Thibaut. Aïe. Renfort. Nous avons le repas sur cité universitaire. Police, renfort. Je marche doucement. Non, pas doucement. Je marche doucement. Non. Normal. Ouais.